La Torah, les mitzvot, t'es l'antidépresseur. Il est à la mémoire de Fredj Ben Sara et Shalom Naori, qui nous a quittés cette semaine, que Dieu repose son âme en paix. Avec la permission du Rosh Kollel, aujourd'hui c'est l'Eloula de mon grand-père, Alav Shalom, Rabbi Haim Pinto, le père à mon père, qui est enterré à Casablanca. Avant que je suis venu, il y avait un petit groupe sur le tombeau du Tzaddik. Et Baruch Hashem, voilà, j'ai pensé à vous tous. Tous les zichout, tous les tzadik, la tagen ba'atrim, kele ratzon. Et on a toujours besoin des zichouyot, des tzadikim, surtout aujourd'hui, surtout pour nos enfants, pour leur éducation, pour le matzav, la situation dans le monde. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Amérique, à Chimichmok, des choses qui peuvent passer partout, presque 50 morts, des milliards de dégâts, des choses qui peuvent arriver, aucun ne peut dire je suis à l'abri. On a besoin de beaucoup de sruyot. Hachem, on dirait qu'il s'énerve. Lorsque Hachem Ishmor, lorsqu'il n'y a pas de tzniout, lorsqu'il n'y a pas de pudeur, quand je vois où il s'énerve, la terre il s'énerve, le ciel il s'énerve. Et Hachem Ishmor, ça cause la nature, elle se révolte. La nature, elle est un peu en colère. Imaginez-vous ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes qui se marient entre eux, les femmes qui se marient entre eux, ils veulent aussi adopter des enfants. Ça, c'est. Batishahet Haaretz. Batishahet Haaretz. Et lorsque la terre. Lorsque il y a eu Hashata, lorsque les gens ne respectaient pas ce que leur image, l'image d'Hachem, alors je vois qu'il s'est énervé, il a porté le Maboul, le déluge. Aujourd'hui, Hachem ne peut pas porter le déluge parce qu'il s'est énervé, mais il peut avoir des mini-miluges, des mini-déluges, Hachem, je crois. Des mini-déluges, c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Amérique, ce qui peut se passer à gauche et à droite. Mini, pas un grand déluge, mais des petits déluges qui peuvent être catastrophiques à Hachem Ishmor. Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu de la Akeda. Parce que c'est la paracha de la semaine. Et c'est la. C'est un peu chaud là. Wow. Et c'est quelque part. Les gens, je sais qu'en Amérique, dans beaucoup des endroits, ils sont prêts à acheter la ptiha de la Akeda à une grande. 1 million de dollars. 2 millions de dollars. La Akeda, c'est. Dommage que je n'ai pas une synagogue pareille. La Akeda, ils sont prêts à donner. La Akeda, pourquoi? Parce qu'on dit que lorsqu'on ouvre le Echal, c'est Sha'ari Shamaim, c'est les portes du ciel qui s'ouvrent. Alors les gens croient que les portes du ciel ils s'ouvrent, ça y est, les portes du ciel ils s'ouvrent et c'est la Akeda. Parce qu'au moment que Yitzhak a été sacrifié, les portes du ciel ils sont ouvertes, les malachim ont commencé à pleurer. Donc on dit, ils disent que la Akeda. Ces gens-là, si je pouvais leur dire, c'est quoi la Akeda? La Akeda, c'est le sacrifice. C'est quoi la Akeda? C'est attaché. C'est-à-dire, mais c'est autre nefesh. Je m'attache, attaché. Si je pouvais leur dire que celui qui s'assoit, celui qui s'attache à sa chaise, il étudie la Torah. Il n'y a pas plus que Misoret Nefesh que de s'asseoir et étudier la Torah. Si je pouvais leur dire que chaque seconde, que lorsqu'ils aident quelqu'un, et ce quelqu'un, il ouvre la Gemara, c'est Ptihat Ha'Echal de la Akeda. Lorsque quelqu'un ouvre la Gemara, c'est ce qu'on appelle Ptihat Ha'Echal de la Akeda. Parce que quelqu'un qui s'assoit et étudie la Torah, ben, c'est pas facile. Très dur, c'est très dur de s'asseoir. Mais je vous donne la parole d'honneur. Je suis plus vieux que vous tous, presque. Mais il n'y a pas comme la Torah.
je dois Bémet. Hier, j'ai eu le zchout de répondre à une question de Avi Ezri sur le Rambam, sur la ligne de Eidout, témoignage de Smitsva de témoigner. Vous ne pouvez pas imaginer quelle joie j'étais. Ah, moi, David Pinto, j'ai réussi à répondre à une question de Rav Shach. Ah, j'étais content. Ça m'a fait plaisir, Bémet. Et je me suis levé, je chantais tout seul. J'étais content. Même si c'était tard dans la nuit, mais j'étais content. Haval que les gens ne savent pas, c'est. Ah bah dommage, c'est... Ce matin, il y a William, je l'ai appelé ce matin, je voulais qu'il écoute. J'aime, parce que c'est, lorsque je reçois les gens, il est présent. Lorsqu'il y a des choses un peu dures, je l'appelle pour qu'il écoute ce qui se passe. Et je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour qu'il écoute. C'est un couple qui vient pleurer que leur enfant, il se convertit à une autre religion aujourd'hui. Et bien sûr, lorsque j'ai vu la photo de ce monsieur-là, ça s'appelle c'est aujourd'hui. Et voilà, je vois les parents qui pleurent. Ils me disent, je dis, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? C'est la deuxième fois que j'entends ça en deux semaines. Il y a un vendredi, il y a deux semaines, encore aujourd'hui, une autre personne. La première chose que je pose, vous êtes religieux? Vous faites Shabbat? Non. Vous faites Kashrout? Non. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de religion chez vous à la maison. C'est quoi? Alors, ton fils, il n'a pas trouvé chez vous ce qu'il a besoin. Alors, il a trouvé chez d'autres. Alors, il ne faut pas lui en vouloir. C'est tout. C'est maintenant. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Eh bien, malheureusement, c'est maintenant qu'on s'est rendu compte qu'on n'a rien donné à notre fils. Parce qu'on n'a rien donné, voilà, maintenant, paye les comptes. Je suis désolé pour vous. Je l'appelle pour vous. Mais j'ai eu du tsahar. J'ai eu beaucoup de ça pour eux. Malheureusement, être juif, c'est la Akeda. Mais la Akeda, c'est pas être juif. Chaque mitzvah, c'est une Akeda. Chaque mitzvah, parce que chaque mitzvah, c'est une mitzvah pour la faire. Chaque mitzvah, parce qu'il y a ce qu'on appelle la shlimut de la mitzvah. Faire la mitzvah avec perfection. Faire la mitzvah avec tous les halakhot, parce que chaque mitzvah, c'est halakhot. Regardez avec Nida. Nida est une mitzvah dans la Torah, il y a une gemara sur Nida. Shabbat, Bichla Shabbat, et alors, la Shabbat, il dit Shabbat, Shabbat, Bichla, les mitzvot Shabbat, ils ne sont même pas écrits dans la Torah, on les apprend d'autres, du Mishkan, et pourtant, Shabbat, il y a chaque mitzvah, et les mitzvot qui sont liés avec cette mitzvah. Regardez Rabotai, lorsque une vague, elle arrive. Mais cette vague, elle est poussée. Parce qu'elle est poussée avec d'autres petites vagues. Mais ces petites vagues, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ces petites vagues-là. Mais ils sont poussés. Une vague, ils poussent l'autre. Ils se poussent. Chaque vague, elle pousse. C'est ça, les mitzvot. Mitzvot, chaque mitzvah, elle est liée avec d'autres mitzvot. Et chaque mitzvah, c'est à la route. Et chaque mitzvah, c'est une akeda. Et je me rappelle, jamais j'oublierai, il y a quelques années, le Bar Mitzvah de Rav, que Dieu repose son âme en paix, Rav Bijawé Alav Shalom, je me rappelle très très bien lorsque c'était la paracha de la Hakeda, et je me rappelle que on avait prié quelque part là-bas, je ne sais pas, où, vers Montmartre, on avait prié là-bas, et jamais j'oublierai que Rav Confortin, il avait posé une question, il a dit, mais quand même, comment est-ce possible que Avraham Abino, il a cru le Malach? Lorsque Malach, il a dit, Avraham, ne fait rien du tout. Et il a cru. Alors, la question, c'est une question que Bémet, c'est une question, elle est belle. Que, comment Avraham, il a cru, peut-être c'est un shed, peut-être c'est le Satan qui lui parle, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui lui parle. Quelle preuve il a que c'est Hachem qui lui parle? Vous savez que le Satan, il se transforme en Malach. Alors, Abraham, il voit un Malach, attends. C'est Hachem qui m'a dit de sacrifier à Isaac. Alors c'est Hachem de me dire d'arrêter. Pourquoi c'est un malheur qui vient? Et je me rappelle qu'il avait répondu une réponse qu'elle est belle, mais après j'ai contre la réponse. Après, bon, j'ai amélioré un peu la réponse. Mais à coup de la bouteille, c'est la réponse, elle est qu'Abraham Abino, il a vu la shlimut de la mitzvah. Ça veut dire qu'Abraham Abino, Alva Shalom, on sait très bien, lorsqu'on fait mitzvah, on crée un malheur. Et ce malheur-là, Il doit être parfait, le malach. Ah, mais le malach, il doit être parfait. Donc, Avraham Abinou, il a vu que... C'est pour ça qu'il a vu le malach qu'il est né de la mitzvah qu'il a fait. Donc, c'est pour ça qu'il a cru que c'est... Donc, nous, on n'est pas Abraham.
Nous, on n'est pas Abraham. Nous, on ne voit pas des malachim. Lorsqu'on fait une mitzvah, on ne sait pas comment notre mitzvah a été faite. Abraham, c'est Abraham. Abraham, il a eu le zchout de voir le ma'ach qui va apparaître et qui va lui dire « Atishah et Chayana » Ça veut dire que maintenant, Abraham, c'est comme s'il a fait sacrifier son fils. C'est-à-dire qu'un homme, il fait une mitzvah, il crée un malach. Mais il faut faire attention, il ne faut pas que ce malach soit aveugle. Il ne faut pas que ce malach soit sans pied. Il faut qu'il soit parfait. Donc la shlim, la perfection de la mitzvah, et se fait lorsque le malach parfait, il se crée, comme c'est écrit. Celui qui fait une mitzvah bien, boré malach, il crée un malach. Mais ça dépend comment ce malach il est créé. Il peut être aveugle. Alors Abraham, il a vu un malach, mamash, qu'il a été de toute sa perfection. Il lui dit, « Ah, tu shlach yadchai ana'a, c'est comme si tu as fait le korban, voilà, je suis là. » Donc, il a cru. Bon, Abraham, c'est Abraham. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça veut dire que la Akeda, il faut être conscient que le Messirot Nefesh du Tzhak Abinu qu'il a fait pour être au service de HaKadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose qui est pour se donner pour HaKadosh Baruch Hu, et surtout Abraham, c'est pas facile. Il faut savoir que chaque mitzvah et mitzvah qu'on fait, chaque mitzvah est la Akeda et sa Akeda et le sacrifice qui est lié à cette mitzvah qu'il faut faire. Chaque mitzvah et mitzvah, elle est. Donc, à Botaï, malheureusement, les gens ils croient que le Akeda, c'est Tzhak, on est prêt à payer n'importe quelle somme, les portes du ciel s'ouvrent. Mais les portes du ciel peuvent s'ouvrir pour n'importe quelle mitzvah que tu fais, Ahmar. Tu crois que c'est là que tu fais, c'est ça que. Mais n'importe quelle mitzvah que tu fais, tu la fais bien, il y a les portes du ciel qui s'ouvrent pour toi. Mais les gens, ils ne savent pas, malheureusement, ils vont rester dans les rues, ils vont croire cette mitzvah, elle est unique, elle est. Ah bah, dommage pour eux. Donc, Botaï, c'est pourquoi je vous parle de tout ça, parce que j'ai une grande question, très très grande question. Je me suis posé une très grande question hier soir. J'ai pas compris le lien. Écoutez bien, voilà, regardez. Abraham, on lui demande de sacrifier son fils, voilà, il est là, Yitzhak, il est là. Il a tellement fait ce sacrifice avec bon cœur. Il n'a même pas demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, attends, mais tu m'as dit que de Yitzhak, je vais avoir une descendance, et maintenant tu me dis de l'égorger. Hachem, je suis quelqu'un qui combat tous ceux qui tuent leur enfant pour l'arbre d'Azara, et tu me dis, je prends mon fils pour toi, et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? 1000 arguments il avait, Abraham. Bayashkem Abraham Baboker. Il n'a pas posé de questions. C'est ça la volonté d'Hachem. Mais c'est une akeda, ça. Mais vous savez, depuis le début de l'épreuve de la akeda de Yitzhak chez Abraham, chaque seconde c'était une akeda. Chaque seconde c'était un nisséon. Chaque seconde c'était une épreuve. Une épreuve. Et chaque seconde qui passe, l'épreuve elle devient encore plus grande, jusqu'à l'heure de la akeda. Très bien. Abraham, alav shalom, il attache son fils, il prend le couteau, il fait 100%, il a fait des kavanot qu'on ne peut même pas imaginer. Je ne sais pas quelle bracha il a fait, je ne sais pas quelle kavana, quelle bracha il a fait, je ne sais pas. Peut-être une bracha que Hachem lui a dit de faire, je ne sais pas quelle bracha il a fait. Pendant un moment, il s'est passé quelque chose de terrible. Il se passe que tout de suite, avant qu'il coupe la gorge, il y a le malach qui lui dit « Non, tu fais rien du tout. » Il empêche. Et tout de suite, il y a un bélier à côté. J'ai pas compris le secret de ce bélier. Voilà, j'ai pas compris. C'est vrai que ce bélier a été sacrifié à la place de Yitzhak, mais j'ai pas besoin de ce bélier-là. De toute façon, l'action qu'il a fait Abraham, c'est une action extraordinaire, qu'il a sacrifié son fils. Ce bélier qu'il a été créé à la création du monde, à Ben Hashmashot, pour des circonstances que c'est pas le plus qu'on rentre dans les détails, j'ai pas compris le secret de ce bélier-là. Tout de suite, on dirait qu'Abraham, il faut qu'il tue quelqu'un. Non, ça y est, Abraham, ça y est. Ça y est, tu as fait la mitzvah.
ta mitzvah, on t'a demandé de sacrifier ton fils, tu l'as fait, c'est comme si ça a été sacrifié. Hachem, il va se rappeler de ce que tu as fait avec Yitzhak éternellement. Éternellement. Chaque année à Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, il va se rappeler ce que tu as fait. C'est pas la paix, mais là, j'ai pas besoin de ce bélier. D'accord, vous allez me dire que tous les kavanotes qu'il avait chez Yitzhak, il les a transmis, mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Je suis dans un point que je suis prêt à vous combattre tous, n'importe quel argument que vous allez me donner, parce qu'hier soir, tous les arguments possibles que je pouvais donner, ben je les ai donnés. Et je les ai cassés. J'accepte aucun argument. Je suis très têtu. Je suis têtu. Et là, Rabotaï, c'est parce que, c'est pas que c'est ma réponse, il n'y a que ma réponse qui est quelconque. Je peux considérer d'autres réponses, mais enfin, les réponses que je me suis données, ils m'ont pas satisfait. Ils m'ont pas donné une satisfaction. Pour ce bélier, il sert à quoi? Alors, Rabotaï, je voudrais raconter une histoire, puisqu'aujourd'hui, on est la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, alav shalom. Je vais vous raconter qu'est-ce qu'il était. Peut-être, vous savez, il ne faut pas voir le côté Nissim qu'il faisait, ni miracle qu'il faisait, non. De toute façon, chez Tzadikim, il n'y a pas de miracle. Tzadikim, c'est Retson et Aviasi. Donc, il n'y a pas de miracle chez Tzadikim. Un tzaddik qui respecte HaKadosh Baruch Hu, il y a des mythes, il y a des milliers d'histoires sur Rav Haïm Kanipski, sur Rav Steinman, sur Rav Shach, sur Rav Eliashiv, des milliers d'histoires. Celui qui étudie la Torah, c'est HaKadosh Baruch Hu, il écoute. Donc pour nous, c'est des miracles, mais pour eux, ce n'est pas des miracles. Pour eux, c'est le Teva. Alors, je raconte une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup... C'est une histoire que, de temps en temps, je la raconte. C'est quelqu'un qui vient ici chaque dimanche. Il s'appelle Gilles Habitant. Chaque dimanche, il est là, le dimanche soir. Il donne un cours de Torah ici, chaque dimanche soir. Et c'est lui qui me l'a raconté. Et c'était avec son grand-père. Son grand-père, il était un homme qui était très hani, très pauvre. À l'époque, à Issaouira, on ne croyait pas qu'on était riche. À Issaouira, notre maison, à l'époque... Jusqu'à mon âge, je vous rappelle, le Shabbat, il y avait, croyez-moi, en semaine, on mangeait de la soupe, du pain, un morceau de pain, et le Shabbat, c'était très maigre. C'est pas que là, il y a les tables qu'on fait aujourd'hui. Les tables des pauvres aujourd'hui, sont mille fois mieux que les tables qu'on avait à Issaouira, les Zamak, mon père, qui était le rave. C'était ma marche au verre de la pauvreté. Et voilà, celui-là, le pot était tellement pauvre. Jusqu'à que il ne savait pas quoi faire, comme ça me raconte Gilles Habitant. Et un jour, il marche, il voit Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père. Lui aussi, il va, il se rencontre. Et puis lui, il a eu peur que le rabbi lui demande la tzedaka, parce que Rabbi Haïm Pinto, alav shalom, il demandait la tzedaka à tout le monde. Le contraire, les gens le cherchaient pour lui donner la tzedaka. Parce que les gens savaient que lorsqu'ils vont donner, lorsque Rabbi Haïm Pinto leur demande quelque chose, ils vont passer une bonne journée. Donc là, les gens, ils allaient vers lui. Mais lui, il choisissait à qui demander. Alors, mais celui-là, il a eu peur qu'il soit choisi par Rabbi Haïm Pinto. Il n'a pas qu'à lui donner. Il se cache. Et Rabbi Haïm Pinto s'arrête devant la porte. Il lui dit, Alam Zrov. En arabe, c'est quelque chose. Quand vous êtes marocain? Non, bon, Hachem. Alors, il lui dit, c'est comme une insulte, c'est comme une insulte, mais Bélachon Hiba, c'est une insulte bien. Lorsqu'on aime quelqu'un, on dit Anzro. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, il lui dit, Hacham, je m'excuse, j'ai pas d'argent. Il a dit, je sais que tu n'as pas d'argent. Alors, je vais te donner un peu d'argent. Demain soir, c'est Pourim. Tu vas acheter un peu la farine. Dis à ta femme que de faire le gâteau. C'est Michel Wahmanot. Et les gens, ils vont. Et ma femme, elle ne sait pas faire les gâteaux. Alors, ces gâteaux, personne, il ne sait même pas les faire. Il est mal formé. Il ne sait pas comment il va faire. En plus, tu leur dis, c'est moi, c'est les gâteaux bénis par moi. Voilà, je bénis cet argent-là. Et cet argent-là, avec tout ce que tu vas acheter, Rabbi, il dit, fais ce que je te dis. Et tu vas voir. Tu vas vendre. Mais il faut bien les vendre. Il ne faut pas les vendre au prix de.
au prix. Il faut dire chaque gâteau, mais il ne faut personne va l'acheter. Non, toujours dire c'est Rabbi Haïm Pinto, ils vont acheter. Il dit Rabbi Haïm Pinto va acheter. Alors c'est ce qu'il a fait. Il va chez sa femme il rigole, il lui dit, mais celui qui va mes gâteaux va se sauver. Par rapport au gâteau qu'eux ils font, c'est quoi mes gâteaux? À Colpani, c'est Rabbi Haïm Pinto qui a demandé, elle a fait des gâteaux, et c'est ce qu'il a fait. Il sort dehors, je me rappelle l'époque à Issaouira, il est dans le Mélah, les gens ils jouaient un peu les cartes de Pourim. Et les gens, ils font des bakiya, les trucs là, tous ces gâteaux-là, qui sont sucrés. Et lui aussi, il apporte, ils vont. Les gens, ils passent, ils rigolent en regardant les. Et il leur dit, pourquoi vous rigolez? C'est Rabbi Haïm Pinto, c'est la bracha de Rabbi Haïm Pinto. Ah, ben, à la B, je vais prendre. Combien? Ben, que le chacune, écoute tant. Non. Ben, tu veux devenir riche, ben, c'est Rabbi Haïm Pinto. Tu ne me crois pas, va chez lui, il est là-bas. Il s'est mis en face de la maison de Rabbi Haïm Pinto. Ça veut dire, Zamak, ne croyez pas que j'invente des histoires, ben, vous ne croyez pas à rentrer chez lui, il est là-bas. Alors, qui n'a pas acheté? Il achète, il vend, il va acheter la farine. Et toute la journée, sa femme, elle faisait les gâteaux. Et l'autre, il vendait. Et le soir, ben, maître, après Pourim, il a fait de l'argent, beaucoup d'argent. Il a dit, mais toi, ce que je vais faire, tout cet argent, il appartient à Rabbi Haïm Pinto, il faut que je lui rende. Donc finalement, il réunit la bourse de l'argent et il arrive chez Rabbi Haïm Pinto. Rabbi Haïm Pinto lui dit, alors, ça va, ça a été, Hakam, ça s'est bien passé, mais j'ai un grand problème. Je viens chez toi avec la bourse et je ne trouve pas la bourse. Je pense que je l'ai perdue. Alors d'un côté, Rabbi Haïm Pinto, tu m'as fait une bracha et tu m'as donné la bracha. Alors, à quoi c'est ça, c'est de voir que j'ai tout perdu? Rabbi Haïm Pinto réfléchit, lui dit, tu sais quoi? Rappelle-toi d'où tu es passé et refais le même trajet, tu vas la trouver. Rabbi, avec tous les milliers de personnes qui passent, je vais la trouver. Ne t'inquiète pas. L'argent cachère, on ne les perd pas. Ton argent, il est cachère. Fais ce que je te dis. Et ça, ce qu'il a fait, il trouve la bourse par terre alors que des jeunes passent. Et personne n'a vu cette bourse qui était par terre. Ça, Rabotaï, pour arriver, et pour Rabbi Haïm Pinto, c'était une histoire. Comme, c'est rien du tout. Pour lui, c'est, pour nous, on a fait de ça une histoire. Nous, on fait de soi un miracle. Nous, on fait de cette histoire, machio. Mais pour les tzadikim, c'est même pas une histoire. C'est même pas un miracle, c'est rien du tout. C'est normal. Comme le prophète Elisha, qu'il a dit à cette femme, prends toutes les bouteilles que tu as ramassées, toutes les bouteilles vides, et le fond d'huile que tu as, commence à le verser, et l'huile ne va pas s'arrêter. Et ça va couler de partout. C'est comme ça, les tzadikim, pour eux, c'est rien du tout. C'est pour les tzadikim. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils vont servir à Kachorub, Kolkarbim Sirot Nefesh, avec sacrifice, que Kachorub aussi fait avec eux des sacrifices, le teva, les choses qui sont surnaturelles deviennent naturelles chez eux. C'est comme ça. Alors peut-être il faut comprendre une chose. Vous allez me poser tous la question, nous Rabbi David, où tu vas en arriver? Pourquoi ce bélier-là? Qu'est-ce qui fait ce bélier dans l'affaire? Et raboté, j'ai commencé à réfléchir, Bémiet, ce bélier, il n'a pas. Sa présence-là, je ne sais pas ce qu'il fait ici. En plus, le bon Dieu l'a créé depuis la création du monde, je ne comprends pas. Je vous pose une question. Vous imaginez du sacrifice d'un homme comme Itzhak, Avinu, pour Akadosh Baruch Hu, à venir sacrifier un bélier. De Itzhak à un bélier. De Itzhak à un... Comme si on parle d'un Ama Aretz, d'un grand tzaddik à un Ama Aretz. C'est quoi ça? La Barabota, écoutez très bien, le Ramban, il dit que pourquoi on sacrifie les animaux? Moi, Stam, je vais ajouter une phrase. Pourquoi Hachem veut qu'on sacrifie un animal? Moi, Stam, j'ajoute ma phrase avant que je dise ce qu'il dit le Ramban. Si on est arrivé à faire un Avera, c'est qu'on est des animaux. C'est tout.
pareil qu'avec les animaux, moins que l'animal de Rabbi Pinhas ben Yair. Parce que, a priori, comment un homme il peut faire une avera? Comment un homme peut se révolter contre Akadosh Baruch Hu? Comment un homme, Pichlal, un homme, comment il peut? Et comment un homme, il a eu l'audace d'aller contre Akadosh Baruch Hu? Donc, il est zéro. Donc, je pense déjà à cette introduction et m'explique le Ramban. Le Ramban qui dit, pourquoi on fait des sacrifices? Parce qu'au moment qu'on sacrifie, on se dit, j'aurais pu être à sa place de cet animal-là. Et cet animal-là, c'est lui qui a pris ma place. Mais moi, Rabotai, j'ajoute ce que j'ai ajouté. J'ajoute que non seulement cet animal il prend ta place, mais cet animal est mieux que toi. Parce que moi, lui, il est sacrifié pour Hachem, et toi, tu restes vivant. Voilà. Au moins, lui, bah, il a été pour Hachem, et toi. Ça veut dire que comment tu as osé? Rabotai, beaucoup de fois, Rabotai, on fait des choses pour faire tremper le Satan. À Kippour et à Rosh Hashanah, on sent le chauffard. On s'assoit, on est debout. Le Satan ne comprend pas. Pourquoi dans Kata Shofar, tant on est debout, tant on est assis, il ne comprend pas. Mais entre-temps, le Satan, il est mitbalbel. Il est confus. Il est confus, il ne comprend pas ce qui se passe. Il voit Kadosh Baruch Hu, il est en colère au départ, après il n'est pas en colère, il ne comprend pas. Il rentre avec des sacs pour les présenter à Kadosh Baruch Hu, toutes les fautes qu'ils ont fait les bénis d'Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui rigole. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Au lieu que le Satan, au lieu qu'il voit Kadosh Baruch Hu en colère, il voit Kadosh Baruch Hu en train de rigoler, content. Donc il est vite balbel, il est confus, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire. Même le Satan, il s'est posé cette question. Quoi? De Abraham, de Yitzhak, un bélier? Cette question que je vous pose, c'est le Satan qui s'est posé cette question. Quoi? De Yitzhak Abino, de Yitzhak, du sacrifice de Yitzhak, toutes les kavanot, qu'Abraham, il a mis sur Yitzhak. Il y a maintenant Yitzhak, il n'est plus sacrifié, et c'est un bélier qui l'est sacrifié. Lui, il ne comprend plus ce qui se passe ici. Mais le Satan, il ne sait pas le secret qui est caché derrière toute cette histoire. C'est quoi le secret qui est caché de cette histoire-là? Eh bien, c'est ce qui va se passer à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il va se passer comme ça. À Rosh Hashanah, il va se passer que le Satan aussi, il se trompe. Il ne comprend plus ce qui se passe. Il ne comprend plus. On parle du sacrifice de Yitzhak, et c'est un bélier qui a été sacrifié. Il ne comprend plus. Il est. Regardez la bouteille, le Hesed de Hakadosh Baruch Hu. Regardez la bouteille, même à Hoshana Rabba. On pleure, Hoshana, parce que c'est Kippour. Et tout de suite, il y a Simchat Torah. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Satan comprend plus rien, qu'est-ce qui se passe ici? Hier, ils étaient en train de pleurer, et maintenant, ils sont en train de danser avec la Simchat Torah. Le Hakadosh Baruch Hu, il fait tout pour mener le Satan à une confusion, parce que le Satan, il est tellement malin et tellement fort. Que le Satan, il faut qu'il soit stable dans sa tête pour mener bien son travail. Et Akash Ruh déstabilise le Satan. Akash Ruh déstabilise le Satan pour ne pas mener bien son travail. Et je voudrais à Bauté vous raconter une histoire personnelle. Personnelle. Et cette histoire à Bauté, elle s'est passée cette semaine. Cette semaine à Bauté, j'avais un petit problème personnel. Un problème que je devais prendre des initiatives, un problème que il fallait, mais je peux pas le raconter à personne. C'est un problème que moi-même je dois résoudre, mais pareil que moi-même, il faut qu'Akash Baruch Hu m'aide. Mais de l'autre côté, Rabotai, je savais pas comment résoudre ce problème là. Ça veut dire que ce problème, il faut même pas que j'utilise d'autres personnes dans ce problème-là. Pourquoi? Parce que je veux pas faire honte à ce monsieur-là qu'il est impliqué dans cette affaire. Et il faut pas que j'ai fait honte. Il faut pas qu'il sache que je suis au courant. C'était un balagan. Et il a fallu que j'utilise des méthodes, que comme je me suis trompé de téléphone, que j'appelle quelqu'un, et ce que quand il m'appelle, il me dit, mais je crois que je reconnais votre voix. Je lui dis, non, vous êtes Madame Tell. Non, mais je crois que je vous connais, c'est Rabbi David. Je lui dis, qui êtes-vous? Voilà. Qui êtes-vous, madame? Et c'est là, il me dit, je m'excuse, je suis désolé. Je lui dis, je suis désolé. Et c'est comme ça que j'ai,
Ah ben ça tombe très bien, puisque vous m'avez appelé, vous savez, et vous, j'ai un petit problème et je ne sais pas quoi faire. Et c'est là, j'ai dit, ah bon, c'est vrai. Et là, vous comprenez, Akadosh Baruch, il est Rahman, Akadosh Baruch. Il sait, Akadosh Baruch, que cette Akedah de Yitzhak est tellement importante, elle est tellement forte, elle a été tellement faite avec une perfection extraordinaire. Que le Satan ne va pas pardonner ça. Il ne peut pas pardonner cette Mesirut Nefesh, ce sacrifice de Yitzhak. Il ne peut pas pardonner ce sacrifice qu'il a fait Abraham. C'est dur pour lui. Ce qu'il a fait Abraham, c'est même au-delà de l'imagination, au-delà. Et c'est la raison pourquoi quand je pouvais, il n'a pas parlé avec Abraham Abino. Il n'a pas dit, Abraham, Atishla, ne continue pas, ne continue pas. Et qui est venu? Le Satan. Et a priori, c'est Hachem qui a dit de faire le sacrifice, c'est Hachem qui a donné arrête. Et on voit que ce n'est pas Hachem qui a dit arrête. Qui est venu? C'est Amalach. Amalach qui est venu. Donc là aussi, déjà, le Satan commence à se poser des questions. Pourquoi ce n'est pas Hachem qui lui parle? Pourquoi ce n'est pas Hachem qui lui parle? Donc ça veut dire qu'Abraham, il ne mérite pas qu'il lui parle à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ce sacrifice n'a pas été fait bien. Et en plus, comment ça se termine? À la place du Yitzhak, qui est sacrifié? Un bélier. Alors là, le Satan, il est un peu. Il dit, bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Bon, c'est vraiment, peut-être pas une mitzvah qui a été faite à 100% de la part d'Abraham Abinu. Bon, allez. Alors, laisse. Je laisse les choses faire. C'est pas ça. Il n'y a pas sur quoi je vais commencer à faire des objections contre cette mitzvah, sur ce passage-là. Mais il n'a pas compris, le Satan, que derrière toute cette affaire-là, il y a un secret qui est caché. Les Arviv, les Balbel est à Satan. Combien, quand je beaucoup parfois, il fait tout pour décourager le Satan, pour le mettre en erreur. Pourquoi? Pour le bien de ce monsieur-là, pour qu'il ne le critique pas. Parce que si le Satan veut commencer à critiquer, il ne s'arrête jamais de critiquer. Il peut toujours trouver des façons pour critiquer. Toujours, pour toujours. Regardez Rabotai, là, comment à Hosha'anah Rabbah, on devient comme des tzaddikim, comme des malachim. Et après tout de suite, et bien, on termine les fêtes avec Hosha'anah Rabbah. Le Satan, il peut dire, ouais, Hachem, tu sais, ces gens-là, ils sont, hey, regarde, ces gens-là, qui font Kippour, encore un mini Kippour, pour te montrer que, soi-disant, mais ils sont pas, leur cœur, il n'est pas net avec toi. Il peut, qu'est-ce qu'il a fait quand je vois ouvrir la porte à Simha? Le Satan, il ne comprend plus, qu'est-ce qui se passe? Hier, ils sont en train de pleurer. J'ai une cassette cachée de Admon Misatma, Alva Shalom, Rabbi Yoel. Comment il faisait au Hosha'anah Rabbah? Vous savez, celui qui entend comment il faisait la prière, comment il pleurait à Hosha'anah Rabbah. J'ai la cassette en Amérique. De temps en temps, je la mets, je l'écoute. Comment il pleurait, Hosha'anah, il pleurait. Bon Hosha'anah. Dans quelques minutes, c'est déjà Simchat Torah. Et lui, quelques minutes avant, il pleure déjà. C'est ce qu'on fait nous aussi à Hosha'anah Rabbah. On fait le chauffard, on fait Avor. Il ne comprend pas, le Satan imite Balbel, il ne comprend pas. Le Satan ne comprend pas que ce sacrifice-là qu'Abraham il a fait, il vient de faire maintenant, c'est capital. Ce sacrifice qu'il est en train de faire maintenant, c'est ce sacrifice-là que Hachem il va se rappeler chaque année, oublier Israël pour leur pardonner. Chaque année. Et en plus de ça, on voit Rabotai la grandeur, en plus, moi je dirais encore plus, que c'est écrit, Abraham a vu, dis-moi le pasouk, Ayel Aher, non? Ayel Aher, Nehaz Basba, le Kanab. J'ai vu donner un farshim qui disent, pourquoi Nehaz? Pourquoi ce Ayel a été Nehaz? Que ce Ayel a été. Il était attaché dans un sbar, avec des arbres là, qu'il ne pouvait plus bouger. Et j'ai vu des gens qui disent que c'était le Satan qui a fait ça. C'est le Satan qui a fait cet acte-là. Pourquoi? Pourquoi il a fait cet acte de Satan? Parce que le Satan, il voulait voir Bémet. Quelque part, le Satan il a commencé à comprendre que 100% qu'Abraham. Mettons qu'il n'a pas réussi à faire le sacrifice de Yitzhak, alors il va faire le sacrifice, il va prendre celui-là, Tahad Beno, à la place de son fils. Il a compris déjà. Il a compris qu'Abraham, tous les kavanot, toutes les bonnes pensées qu'il a eues en faisant à Yitzhak, il va les transmettre
sur ce sacrifice de ce bélier-là. Non, il a voulu quelque part l'empêcher. Mais il n'a pas réussi à l'empêcher. Mais quand même, le Satan n'a pas compris. Même pour le Satan, la question qu'on a posée tout à l'heure, elle est encore dans sa tête. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Quoi ? Du sacrifice du Yitzhak, cette dégringolade, tout le sacrifice de Haïl, c'est ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire Abraham? Il a voulu l'empêcher, il a voulu même le critiquer. Mais tout cela, la bouteille, il n'a pas compris le secret. Le secret, il est extraordinaire, c'est Hachem qui a fait ce secret-là. Les balbelles. Même là, la bouteille, au moment que moi, David Pinto, je suis à Beit HaMikdash, j'ai fait une faute, j'apporte un sacrifice, au lieu que c'est moi qui est puni, c'est mon sacrifice que j'apporte qui est puni. Le Satan rigole. Ah, au lieu que celui qui meurt, qui crève, c'est un corban qui. Il ne comprend pas le Satan. C'est le secret que. Mais Akashvorou, il comprend. Il n'y a qu'Hachem seul qui comprend. Il n'y a qu'Akashvorou seul. Il comprend. Il y a des choses que le Satan. Il ne faut pas qu'il comprenne. Parce que s'il comprend, ce n'est pas bien pour nous. Parce que le Satan, il peut commencer à crier. Mais attends, celui qui a fauté, c'est à lui de mourir. Pourquoi c'est le bélier? Eh bien, lorsqu'il voit c'est le bélier, quand je lui dis, bon, alors, le Satan commence à rigoler. Bon, c'est le bélier. Il ne comprend pas. Des choses qu'il ne comprend pas. Mes amis, les ma'asim de tzadikim, on ne peut jamais les comprendre. Comment les tzadikim, ils ont vécu leur vie? Je ne sais même pas si ces tzadikim-là, aujourd'hui, à notre époque, 1900, l'année 2012, est-ce qu'il peut vivre à notre époque? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est... Il n'y a pas ces tzadikim aujourd'hui. Il n'y a pas. Je ne sais pas, peut-être il y a, moi, que moi je ne connais pas. Peut-être il y a des choses que moi je ne connais pas. On ne peut pas savoir. Mais à Kulpen Rabotai, chaque génération et les kohot qu'on peut atteindre, on peut avoir à chaque génération. Les générations d'avant et les générations d'aujourd'hui. Et par rapport à moi, je dirais une chose. Que les générations d'aujourd'hui, moi je pense, à mon petit niveau, ils sont meilleurs que toutes les générations que nos parents ils ont traversées. Parce que la génération d'aujourd'hui, c'est une génération que toutes les armes du Tzara, ils sont lâchés. C'est comme Rabotai. Lorsqu'on fait une guerre, on commence par... Il y a des armes. On commence par certaines armes. Et de plus que la guerre elle devient encore plus dangereuse, alors on utilise... Et à la fin, on utilise toutes les armes qu'il y a. Allez, tout ce qui jette, toutes les forces. Par Rabotai, on vit l'époque où que toutes les armes du Satan, du Tzara, il les a lâchées. Ils sont tous. Et c'est dur pour nous. Baruch Hashem, on maintient le cap. Vous avez une sphina, un bateau. S'il n'y a pas un capitaine de le bateau qui guide le bateau il peut aller au large, il peut s'écraser. De même, un avion, s'il n'y a pas un bon pilote qui pilote l'avion, l'avion il est en danger. On vit dans un monde, mamashi, il n'y a que la Torah qui nous guide. Il n'y a que la Torah qui nous guide sans l'aide de la Torah. Mamash, on est perdu. On est perdu. On est perdu. Et c'est la raison pourquoi la bouteille. Maintenant, je comprends très très bien ce que je vais vous dire, et je termine, que le sacrifice de Abraham Avinu alav shalom. Regardez. Lech lecha me'artzecha. Ici, c'est écrit, comment c'est écrit ici dans le pasuk, lech lecha el haaretz pour la Akeda. C'est lech lecha aussi, oui. Donc vous voyez, il y a le Nisayon de Lech Lecha, quitte Haran pour aller en Eretz Israël, il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas. Et il est parti quand même, et ce Lech Lecha, parce qu'il y a Rashi qui dit une phrase terrible. Rashi dit, c'est quoi Lech Lecha, Merzikha? Lech Lecha? Voilà, Lech Lecha. Il y a Rashi qui dit Lech Lecha Gematria 100. Ça veut dire que Akash Baruchou, il donne une bonne nouvelle à Abraham. C'est quoi la bonne nouvelle? À l'âge de 100 ans, tu auras un enfant. Ça, c'est Lech Lecha Meratzecha. Et voilà maintenant Akash Baruchou, qu'est-ce qu'il lui dit? Lech Lecha. Ça veut dire, Abraham, je sais que je t'avais dit une fois, qu'à l'âge de 100 ans, tu auras un enfant. Et de lui, le peuple d'Israël va être né. Oui? Eh bien,
cet enfant-là, tu mets ton air clair, mais toi tu le prends, tu le. Cet enfant-là, prends l'égorge-le. Wow, wow. C'est tout un rêve qui va être égorgé maintenant. Parce que là aussi, c'est écrit Vélech lecha eres amoria, ve alusham leola, ala had harim ashoma elecha. C'est la folie. Lech lecha, à l'âge de 100 ans, tu auras un enfant. À Abraham, quand même, bon, Hachem, je vais avoir un enfant. Et maintenant, elle lui dit, tu te rappelles, il y a quelques années, je t'avais dit qu'à l'âge de 100 ans, tu auras un enfant. Oui, et bien cet enfant-là, tu le prends, tu l'égorges. Il répète là aussi, Vélech lecha. Mais c'est un essayant terrible. Mais c'est un essayant. C'est un essayant terrible. Et maintenant, le plus grand essayant était, moi, à mon avis, le plus grand essayant, le plus grand essayant, c'est pendant qu'il prend Yitzhak, il l'égorge, et que Hachem va lui dire arrête. Il voit un malach qu'il est parfait. Il lui dit arrête. Alors que maintenant, lui, il veut accomplir les deux lech lecha. Il veut les accomplir les deux. C'est un grand nissayon. Mais Hachem, il exige, arrête. Taï, basta, tout arrête. Et tout de suite, il voit ce bélier. Abraham, il ne s'est pas posé la question de Yitzhak au bélier. Mais le Satan, il s'est posé la question. Quoi? Du sacrifice de Yitzhak au sacrifice du bélier. C'est comme, on parle... cette dégringolade, toute cette dégringolade. Mais le Satan, il s'est posé cette question qu'on s'est posée, nous. Mais pas chez Abraham. Pourquoi? Pas chez Abraham, il a mis dans ce bélier, Tahat Beno, toutes les kavanot. Mettons ce bélier-là, il l'a rendu, mamash, il l'a rendu, machéou, machéou. Le Satan, il ne peut rien comprendre de tout ce qui est en train de se passer. Il ne comprend pas tout ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est en train de se passer maintenant, c'est le sacrifice. Rabotai, c'est quoi un sacrifice? Il y a beaucoup de gens qui vont croire un sacrifice, c'est le sacrifice d'Abraham à Yitzhak. Eh bien, il y a un autre sacrifice. Lorsque tu vois quelque chose qui est attaché, lorsque tu rends un don de tshuva, c'est un sacrifice. Lorsque tu fais une mitzvah, tahat, tu ne peux pas te sacrifier à toi. Alors, tu fais une mitzvah, une autre mitzvah, qui est là-bas aussi un sacrifice. Toute la vie, toute notre vie, elle est pleine de sacrifices, sacrifices. Je vous pose une question. Est-ce qu'un jour, vous avez été sacrifié? Est-ce que vous savez c'est quoi le mot sacrifice? Est-ce qu'un jour, vous êtes tous des menteurs alors, moi avec vous. Chaque fois, on dit, « Baruchu Elokeinu, Shebra'anu Lechibou » Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il faut penser qu'on est prêt à donner notre vie pour Kedush Hashem. Lorsqu'on arrive à Shema Israël, on dit qu'il faut être mikaven, que est-ce qu'on est des menteurs ou pas? Est-ce bémet, on est prêt à donner notre vie pour Kedush Baruch Hu? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'un jour on l'a fait? Ou bien c'est du blabla qu'on est en train de dire, n'importe quoi qui sort de la bouche, hein, pour... Est-ce que Hachem Ishmor, est-ce que cette pensée-là qu'on est en train de penser, est-ce que ça ne risque pas de perturber toute la tefila parce qu'on est menteur? Pourquoi Hachem ne veut pas supprimer cette pensée-là? Que Hachem supprime cette pensée? Parce que c'est une kavana, mission impossible. Kavana impossible à faire. Alors, à vous, je vais vous dire à vous tous qu'on n'est pas des menteurs. On a déjà été sacrifiés. Qu'est-ce qu'on dit sur Yitzhak Abino? Le fait qu'Abraham, il a attaché Yitzhak pour le sacrifier, comme s'il a été sacrifié. Parce que toutes les kavanot, parce que Yitzhak, il avait toutes les kavanot. Je veux être. C'est écrit que Yitzhak aurait pu dire à son père, papa, t'es vieux, lâche-moi. Mais bon, tu es fou, moi j'ai 34 ans. Papa, attache-moi bien. Tous les neshamot de Ham Israël, ils étaient dans Yitzhak Abino. Vous. Moi, vous et vous, tous les Neshamot, celle que nous tous on a goûté qui peut s'assurer. Nous tous on a goûté ce corban de Yitzhak. Lorsque Kadosh Baruch Hu se rappelle le corban de Yitzhak, Ne'akad al-Gabem Isbéa,
Qu'est-ce qu'il voit? Alors, lui, il a été né à Cad, et alors moi, quel rapport entre lui et moi? Moi, j'ai fauté. Quel rapport? Le rapport, il est David. Lorsque Yitzhak, il a été sacrifié, Tanishama était dans Yitzhak. Parce qu'Yitzhak, il détenait tous les Nishama de Ham Israël. Il détenait même la Nishama de Yaakov Abinu, des Shvatim, jusqu'à la ville de Mashiach, il détenait tout. C'est-à-dire que lorsque Yitzhak Abinu, il était attaché pour être sacrifié, c'est nous tous qu'on a été sacrifiés. Donc nous tous, on a goûté le sacrifice de Yitzhak Abinu. Donc lorsqu'on dit, Hachem, je suis prêt à donner mon âme pour toi, comme je t'ai donné une fois. Je suis prêt à te donner encore maintenant, comme je t'ai donné une fois. Et comme je t'ai donné une fois, je suis prêt à te donner maintenant. J'ai déjà une expérience. J'étais dans le sacrifice de Yitzhak Abinu. J'ai déjà une expérience. Donc, à Kadosh Baruch Hu, pas de problème. Donc, on n'est pas des menteurs. Donc, alors peut-être je vous dis une chose. Vous savez que tous ces tzaddikim qui sont morts pour Kiddush Hashem, il paraît, hein. Il paraît. Il y a un journaliste, il y a à l'époque de l'acquisition espagnole, qu'il a écrit un livre. Malheureusement, ce livre, je ne l'ai pas lu. C'est quelqu'un qui l'a... Il doit être à l'université, je ne connais pas le nom. Mais je l'ai entendu d'un rav. Il a dit que lui, il a vu ce livre, il a lu, et c'est un livre écrit en espagnol. Il raconte comment les juifs, ils sont brûlés. Il dit comme ça. Il dit, ce que je ne comprends pas, c'est que ces juifs-là, ils ne crient pas de douleur. Il dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais c'est bizarre. On dirait qu'il n'y a pas de douleur. Comment est-ce possible? Donc ça veut dire, j'ai vu dans des livres qui disent que ceux qui meurent pour Kiddush Hashem, ils ne souffrent pas. Alors maintenant, je comprends pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà, on a goûté ça. On a ces forces de Yitzhak Abinu. On a ces forces d'Abraham Abinu. C'est Abraham Abinu qui partit avec amour, sacrifier son fils. Ce fils qui passait avec amour, être sacrifié, et nous tous on est dedans lui. Parce qu'il ne s'est pas encore marié avec Rivka. Donc on a goûté déjà à Bisrot Nefesh. On a goûté déjà le sacrifice. On a déjà goûté, c'est quoi aimer à Kadosh Baruch Hu. On a déjà goûté, papa, attache-moi bien. Lorsque Yitzhak a dit, attache-moi bien, c'est nous tous qu'on a dit, papa, Abraham, attache-nous bien. Pour que notre sacrifice pour Kadosh Baruch Hu soit parfait. Vous rendez compte, Rabotai? C'est ça, Rabotai, que le Satan, il ne sait pas ce que je suis en train de vous dire. Il ne comprend pas cette transfusion de Yitzhak Abinu après qu'il n'a pas été sacrifié à ce bélier-là. Et ce bélier-là, il a été créé quand? Le vendredi avant Shabbat. Le premier vendredi de la création du monde. Et il est resté vivant. Ce bélier-là qu'il n'a pas goûté de Etz Hadaat, il n'a pas goûté la faute qu'il a fait Adam Arishon. Ce bélier qu'il est resté à Gan Eden caché pendant quelques milliers d'années, jusqu'à quand Abraham il a pris, il a sacrifié. C'est la folie. Ça, le Satan, il ne le sait pas. Mais je termine. Ce bélier-là, Rabotai, comme Hachamim disent, rien de ce bélier n'a été jeté. Chaque membre de ce bélier a été utilisé pour quelque chose. Les cornes pour le cheval de Mashiach, les vêtements qu'il a fait, les habits, etc., etc. Donc, Rabotai, c'est ça, Rabotai, chacun de nos Rabotai, vous ne pouvez pas imaginer une mitzvah qu'on fait, les conséquences de cette mitzvah qu'on peut faire, combien elle peut agir sur les descendants à venir. Cette mitzvah de ce korban qu'il a, dont il était à Yitzhak Abinu, pas victime, Hashem Shalom, mais le zichut qu'il a eu, d'être choisi, être korban pour Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a pu, cette mitzvah-là qu'il a fait, la bracha, la bénédiction de cette mitzvah-là qu'il a rapportée à tous les juifs. Chacun de vous ici ne peut pas savoir ce qu'il fait, ce qu'il peut faire pour les autres. Une bonne action que vous faites, ce qu'il peut faire pour d'autres, pour vos enfants. Comme cette femme de ce matin, elle et son mari, en train de pleurer, qu'est-ce qu'ils disent? Aïe, 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 c'est maintenant qu'on a compris. C'est maintenant qu'on a compris qu'on a fait une erreur. C'est maintenant qu'on a compris. Mais Rabotai, à nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, Rabotai, sinon on ne s'occupe pas de nos enfants, eh ben, c'est d'autres qui vont s'occuper de nos enfants à Shemishmor. Alors à nous, si Abraham n'a pas transmis à son fils Yitzhak ce qu'il a transmis, eh ben, à Shemishmor, mieux d'ailleurs, qui sait
ce qu'on pouvait être aujourd'hui. Rosh Hashanah, il vient et on dit à Kachbaru, souviens-toi ce qu'il a fait Yitzhak. Mais quelque part, Kachbaru peut nous répondre, souviens-toi ce qu'il a fait Yitzhak, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai rien fait, mais j'étais dans Yitzhak. Ce que Yitzhak il a fait, moi aussi, je l'ai fait. Ah, puis c'est comme ça. Allez, va y avoir. Regardez, ça, le Satan, il ne pouvait pas comprendre ça. C'est des choses que rien qu'à Kadosh Baruch Hu, il pouvait les comprendre. Et nous, on découvre ce que Hachem a voulu faire. Donc, je pense que maintenant on comprend très bien combien Akadosh Baruch Hu est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a prévu le sacrifice du bélier tout de suite après le sacrifice de Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu. La question elle est énorme. Quoi? De Yitzhak un animal, du sacrifice d'Yitzhak à un sacrifice d'animal, et c'est une grande dégradation. Mais justement, cet animal-là, c'est pas n'importe quel animal. Cet animal, il a été créé la veille de Shabbat. Le jour que Adam Harishon a été créé, ce bélier-là était à Gan Eden pendant des milliers d'années. C'est pas un bélier quiconque. C'est un bélier qui va représenter, qui va remplacer Yitzhak Avinu. Ça veut dire que tout le contenu de Yitzhak Avinu, avec toutes les neshamot que Yitzhak Avinu il avait en lui, eh ben, ça va être une transfusion à ce bélier-là. Donc ce bélier-là, il a pris la place de Yitzhak Avinu, avec toutes les neshamot qu'il y avait dans Yitzhak Avinu. Ça veut dire que nous tous, tous les juifs, jusqu'à la fin des temps, on a goûté mourir sur le nom d'Hachem. Mourir pour Akadosh Baruch Hu. Comme Yitzhak Avinu. Lorsque Yitzhak Avinu a été sacrifié, il n'y avait pas que l'âme de Yitzhak Avinu, il y avait les âmes de tous les juifs jusqu'à la fin des temps. Donc comme si nous tous, nous avons été sacrifiés. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui va se sacrifier pour le bon Dieu, quelqu'un qui dit « Je suis prêt à me sacrifier pour toi, Hachem », c'est pas un mensonge. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été une fois sacrifiés et transmis et transférés au bélier qui a pris la place de Yitzhak Avinu. C'est pour cela, à Rosh Hashanah, on considère que ce bélier que Avraham Avinu a sacrifié, comme si Yitzhak Avinu a été sacrifié, et les cendres de ce sacrifice et de voir Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez ce bélier, c'est pas n'importe quel bélier. C'est pas un bélier qui est né d'une maman bélier. C'est un bélier qui a été créé le jour de la création du monde, le jour de la création des animaux, le jour de la création de Adam, mais avant Shabbat. C'est inimaginable. Et ce bélier-là, il avait une mission. Sa mission était d'être à la place de Yitzhak Avinu et de représenter toutes les neshamot de Bnei Israël, toutes les âmes de Bnei Israël, et Yitzhak Avinu y compris. Donc, quelque part, le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il fit d'une sorte que le Satan, il est un peu perturbé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Comme toujours Hachem, il crée des situations que le Satan ne comprend pas ce qui se passe. Et lorsqu'il ne comprend pas ce qui se passe, il est perturbé. Donc, il reste bouche bée. Il ne sait plus quoi dire. Avraham, allez. Le Satan, déjà, il s'est posé la question. En voyant Yitzhak être le sacrifice, bon, il a vu qu'il ne pouvait pas approcher Abraham. Il a vu qu'Abraham,
on lui a considéré ce sacrifice d'Isaac comme s'il a été sacrifié, comme si Isaac a été sacrifié lorsqu'il a vu l'ange. Mais maintenant, il n'a rien compris qu'il veut mettre toutes les pensées qu'il avait sur Isaac, les mettre dans le sacrifice du bélier. Là, il n'a rien compris. Quelle dégradation! C'est vrai, lui, il ne peut pas comprendre. Mais Hachem, il comprend. Hachem, justement, il a fait ça exprès. Que le Satan va être perturbé, rien comprendre ce qui se passe. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi un bélier pour stopper le Satan à ne pas critiquer Avraham Avinu. Parce que toujours, le Satan, il va toujours trouver des critiques. Sur n'importe quelle mitzvah qu'on va faire, il trouvera toujours des arguments. Ouais, cette mitzvah que tu as fait n'était pas comme ça. Toujours, il va trouver des arguments. Mais Hachem, il a voulu que le Satan, il n'aura aucun argument. Aucun critique. Il est perturbé. Lorsque quelqu'un est perturbé, il ne critique pas. Il ne dit pas du bien, il ne critique pas aussi. Perturbé. Il ne comprend pas ce qui se passe. S'il aurait compris ce qui se passe, il aurait critiqué. Hachem, il a voulu qu'il ne comprenne pas ce qui se passe. Parce que le sacrifice de Yitzhak était tellement un sacrifice énorme que le Satan il aurait pu faire, je sais pas, causer quelques dégâts. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que le bélier, il a pris la place de Yitzhak. Le Satan comprend pas quoi. Du sacrifice de Yitzhak au sacrifice du bélier. Et Abraham, il considère que le sacrifice du bélier comme le sacrifice de Yitzhak, c'est impossible. Donc, il s'y tue. Mais à Kadosh Baruch Hu, il fait ça exprès. Mais à Kadosh Baruch Hu, sachant, il sait, ce bélier, il est très très spécial. Un bélier qui était à Gan Eden tout le temps. Un Gan Eden qui n'a pas vu de faute. Il n'a pas profité de la faute d'Adam Rishon. Et ce bélier-là était l'unique bélier qu'on pouvait lui transférer toutes les données de Yitzhak Abino. Et lorsque Abraham il a sacrifié ce bélier, comme si Yitzhak Abino a été sacrifié. Et le sacrifice d'Yitzhak, qui dit Yitzhak a été sacrifié, alors c'est tous les juifs qui ont été sacrifiés. Donc ce bélier, il a pris la place de Yitzhak. Donc comme si Yitzhak était sacrifié. Donc ce bélier, il y avait toutes les âmes des juifs. Donc on a goûté le sacrifice. Comme qu'on a été sacrifié une fois, on peut se sacrifier comme une deuxième fois. Ça veut dire que toutes les forces que nous avons aujourd'hui, ça remonte de loin. Ça remonte de Avraham Avinu, qui a donné son âme à Okazdim, lorsque Nimrod a voulu le brûler. Il a donné son âme pour Kadosh Baruch Hu. Mais le sacrifice d'Yitzhak est encore plus important que le sacrifice que Abraham s'est sacrifié lui-même pour Kadosh Baruch Hu avec Nimrod. Parce qu'Yitzhak était pur, parfait, était circoncis, qu'il est né à l'âge de 100 ans, à l'âge de 100 ans qu'il avait Abraham Abinu. Donc, nous tous, on était en lui. Et nous tous, nous avons accepté d'être sacrifiés pour Hachem. Donc, on a tous goûté la Hakeda. Et même lorsque Yitzhak n'a pas été sacrifié, mais étant donné que toutes les données de Yitzhak ont été transmises sur ce bélier-là, qui est un bélier spécial, donc comme si nous tous, nous avons été sacrifiés avec Yitzhak. Et c'est ça ce qu'a Kadosh Baruch Hu. Il regarde Rosh Hashanah et nous pardonne. Sorte à dire, Hachem, pardonne-nous. Comme qu'on a été sacrifié une fois, on nous prie encore maintenant, pardonne-nous pour tout le mal qu'on a fait, et on va refaire, on va essayer de tout faire. Peut-être des bons jours. Voilà. Que le bon Dieu protège et nous fait attention.